Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de l'Ultimate Effort. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter tous les emplacements de toutes les cascades parce que vous allez devoir visiter plusieurs cascades, donc il va en falloir visiter 7 en plusieurs parties je suppose. Donc si tu kiffes la vidéo n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti, let's go! Donc voilà, je vous affiche la map avec 8 emplacements de cascades. Maintenant, le but, c'est d'aller visiter ces 7 ou 8 emplacements de cascades. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un avion pour aller plus vite et je vais essayer de tout visiter en une seule game. Donc c'est parti, on va voir si j'y arrive. Alors pour avoir un avion déjà, je vais pas sauter au début du bus ni à la fin. Je vais sauter plus à la moitié du bus pour avoir plus de chance. Parce que les gens, ils sautent au début, à la fin, mais ils sautent pas vraiment à la moitié pour avoir un objet bien précis, quoi. Donc je pense que là j'ai toutes mes chances d'avoir un avion en premier. Ok nickel, j'ai l'air d'être le seul. Et il y a un avion juste en dessous de moi, donc c'est parfait. Ma stratégie a l'air de fonctionner parfaitement. Donc c'est parti, maintenant je vais aller visiter toutes les cascades que je viens de vous montrer sur la petite map. Donc le premier c'est au-dessus de Lazy Links, entre le Lazy Links et le bloc. Par contre je sais pas si je vais devoir descendre de l'avion pour visiter la cascade ou si tout simplement en passant au-dessus ou devant ça va fonctionner. Donc on va bien voir ça maintenant dans quelques instants. Pam pam pam, c'est bon, suffit juste d'aller à proximité. Alors maintenant je vais aller vers Lonely Lodge, apparemment il y a une cascade. Alors elle doit sûrement être toute petite mais je vais quand même aller voir. Et petite information supplémentaire, n'hésitez pas à m'ajouter en code créateur si jamais vous n'en avez pas ou si jamais vous voulez me soutenir. Ça me ferait extrêmement plaisir, donc merci à tous ceux qui le feront. Alors l'emplacement de la cascade de Lonely Lodge se trouve juste ici. Regardez, là je vais tirer dessus. Juste à côté, il y a la cascade, donc là je me suis pris l'arbre. Donc voilà le deuxième emplacement de cascade. Alors le troisième emplacement de cascade, c'est près de l'oasis, juste ici. Donc regardez, il y a une petite oasis. Et ici, il y a juste une cascade, donc si vous passez comme ça, normalement, ça validera. Donc là, je suis parti en partie personnalisée parce que je me suis fait tuer en partie normale, donc pour éviter de me faire tuer à chaque fois, je me suis dit que j'allais en partie personnalisée. Donc la prochaine emplacement, il est un petit peu plus bas, donc vous continuez le chemin du ruisseau, tout simplement, et vous allez arriver à une nouvelle cascade qui est en bordure de zone, donc juste ici, enfin bordure de map plutôt, voilà, juste ici. Ensuite, on va aller voir une cascade qui se trouve près de Lucky Landing. Et puis après, on remontera vers Loot Lake. Alors, la cascade de Lucky Landing, elle se trouve juste ici. Donc, toujours en bordure de map. Ensuite, il y a la cascade de Loot Lake, juste ici. Et normalement, bah, il y a d'autres petites cascades qui se trouvent en plein milieu de Loot Lake. Donc, on va regarder ça. Voilà, juste ici, il y en a une. Il y en a une là-bas. Et il y en a une là. Donc, je pense pas que ça compte pour trois cascades. Mais bon, faut toujours essayer. Je pense que ça compte pour au moins une cascade. Et la dernière cascade que je vais vous montrer, c'est celle du camp de Viking, qui normalement se trouve juste en dessous du bateau. Donc voilà, normalement si vous passez comme ça devant, ça devrait fonctionner. Après c'est une cascade de glace, donc je suppose quand même que c'est compris comme une cascade. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mike et ciao, peace. Yummy, bruh.